Yo tout le monde, ça cale, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Raft, sur ma partie solo, parce que bientôt il va y avoir une partie en coop, vous allez voir ça bientôt. Vous inquiétez pas les gars. Et puis là on va parler de la forge. Donc vous voyez, j'en ai fait une petite là. Vous voyez, 26e jour de survie. Je me suis fait une petite forge et puis on va voir un peu tout ce qu'on peut faire avec cette forge. Donc vous voyez, il fallait des briques, de la ferraille, des clous, pas trop dur à avoir. Donc j'ai réussi à avoir tout ça. Et puis maintenant on va voir. Donc alors. En faisant ça, ça va nous permettre de débloquer pas mal de trucs là. Donc j'ai déjà fait pas mal de trucs aussi. J'ai débloqué pas mal de trucs. Donc on va placer un petit lingot de métal, un petit morceau de métal. Et puis on va voir ce que ça va donner dans pas longtemps. Donc alors après, vous voyez hein, par rapport aux graines, j'ai toujours mes petites pastèques. Voilà, mon petit manguier là qui pousse tranquille. Voilà, on est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. Donc on va voir ce qu'on va faire avec la forge. Tout ce qu'on peut faire avec la forge. Parce que j'étais bloqué, on va dire, avec... Est-ce que j'en ai là? Non, je dois plus en avoir. C'est peut-être là-bas. Attendez. Voilà. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai réussi à faire, comme je vous dis, j'ai débloqué pas mal de craft. Dont les batteries. Donc il fallait des lingots de cuivre. Donc bon, ça va, c'est pas encore trop dur à faire. J'en ai fait, comme je vous ai dit, j'ai débloqué. Mais là maintenant, je fais une petite vidéo pour montrer un peu à tout le monde ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, là les lingots, ça c'est pas trop dur à voir. Par contre, ce que j'avais galéré à trouver, c'était les substances visqueuses. Donc je remercie Ndiagolo pour ces messages qu'il m'a laissé dans les commentaires. Parce que comme ça m'a permis de pouvoir savoir faire de la substance visqueuse, être tranquille. Et je vais pouvoir faire aussi, je vais vous montrer, le purificateur d'eau parce que c'est pareil. Hein. Je savais pas comment faire du verre ou on le récupérer. Donc vous voyez, voilà, quand on fait, on récupère un lingot de métal. Pardon, désolé, excusez-moi. Ah tiens, ça tombe bien. Quelques petits steaks, voilà, ça fait plaisir. Là par contre, ce qui fait pas plaisir, c'est que je suis plein. C'est que je suis plein. Donc voilà, voilà. Toi, si je peux te mettre. Non, j'ai de la place là-bas, je crois. On va essayer de se dépêcher un peu. Voilà, pour pouvoir plonger un petit peu. Essayer de récupérer un peu de matos. Tant qu'il n'est pas là, le monsieur. Bon, des algues, j'en ai. J'ai ce qu'il faut. Ah, c'est. Ouais, il est revenu. Donc, alors. En faisant ça, en plaçant du cuivre. Bon, vous imaginez bien qu'on fait des lingots de cuivre. Pas besoin de vous montrer, vous voyez, ils sont là, lingots de cuivre, donc ça permet de débloquer la batterie et le circuit imprimé pour les substances visqueuses. Alors, les gars, ce qu'il faut faire, vous mettez des algues là-dedans et vous obtenez la matière visqueuse assez facilement. Vous allez voir juste après. Donc, par contre, là, je vais manger, je vais boire un coup. Voilà, petit pignon, celui que j'ai encore tué une mouette tout à l'heure. Dès que tu mets des pastèques, des trucs, c'est. Elles sont ouf. Elles sont ouf, les trucs. Ah, celle-là. Voilà. Vous voyez les lingots. Faut que je fasse des lingots. Je peux faire encore des lingots de métal. Je peux encore faire du cuivre. Tiens, regardez. Hop. Donc là, on peut pas me voir, bien sûr. Mais bon. Vous voyez le délire. Vous voyez le délire un peu. J'ai la tête de requin dans l'équipement, là. Donc après, bon, je trouve que ça gêne un peu le visu. Bon, c'est marrant, mais bon, ça gêne un peu le visu quand même. Donc bon, j'en ai déjà une en cadeau là. J'en ai pas besoin. Un petit lit aussi pour faire passer les nuits des fois. Ah, ouais. Voilà, comme je l'ai dit. Hop, une petite substance visqueuse. Voilà, ça fait plaisir. Et pour ceux qui savaient pas, voilà, vous mettez du sable. Vous placez du sable dedans. Et vous attendez un petit peu, vous allez voir. J'ai mis ça où? C'est plutôt là-dedans. Ce qu'il me faut, moi, c'est des circuits imprimés. Alors, c'est où? C'est où? C'est où? C'est là-dedans. Circuits imprimés. Des lingots de cuivre et de ça. D'accord. Lingots de cuivre. Ok, bon, on fera après. Là, c'est planche. On place de la planche tranquille. Donc vous voyez, il faudrait peut-être même faire une deuxième forge en fait, parce que bon, c'est vrai que c'est assez long.
Vous voyez, faire une deuxième forge et là vous êtes tranquille. J'ai pas de quoi en faire une. Non, j'ai pas de quoi en faire une. Pas trop grave. Donc on va juste attendre un petit peu. Non, on va remettre ce qu'il faut. Voilà. Hop, hop, hop. Taf, taf, taf. C'est bon pas là? Non, c'est pas bon encore. Pour faire le grand barbecue, deux lingots de métal, 6 clous. Et là, 4 morceaux de verre. D'accord, j'ai le verre. Donc j'ai pas le bois. D'accord, donc la prochaine vidéo, je pense qu'on fera le barbecue géant et tout ce qui va bien. Donc voilà, vous voyez, hop, vous récupérez du verre. Donc plutôt pas mal. Donc là, maintenant, à partir de là, on sait... comment dire? On peut faire du verre et on peut faire de la matière visqueuse. Donc vous voyez, on en a besoin pour faire des bouteilles d'oxygène. Donc après, on pourra débloquer les bouteilles d'oxygène. Par contre, je voulais voir un truc. C'était quoi qu'il fallait là? Bah des bouteilles, voilà. Il faut que j'apprenne ça. Là j'en ai. J'en ai que deux, donc au pire des cas, je vais remettre ça à fondre. Voilà. Tranquillement. Donc bah voilà les gars, voilà ce qu'on peut faire avec la forge. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Les lingots de métal, les lingots de. Ouais. Ah, il y a Marie-Madeleine qui s'est posée là, la motajolate qui s'est posée. Je crois pas que l'argile. On va tester. Mais je crois qu'on peut pas. Enfin, je suis même sûr. On testera après pour être vraiment sûr. Mais je crois que non. L'argile, ça sert à rien. Donc là, on va reboire un petit coup. Voilà, tranquille. Tac, tac. Et puis dans l'établi, bah, vous voyez qu'il me reste plus le bouteille d'oxygène. Et les jumelles à faire. Et j'ai tout débloqué. J'ai tout débloqué. Donc alors, si les trucs qu'il va falloir que je fasse, prochaine vidéo aussi, ça va être un récepteur. Donc vous voyez, il me faut encore des circuits imprimés, en des charnières, ça c'est bon. Et il va me falloir une antenne. Donc pareil, encore circuits imprimés et des boules. Donc vous voyez, il va me falloir pas mal de circuits imprimés. Et pour les circuits imprimés, ce qu'il faut, c'est de la martyre visqueuse et des lingots de cuivre. Donc vous voyez, pas mal de taf, hein. Pas mal de taf. Donc hop, on récupère l'argile, vous voyez, on peut pas le mettre. Donc on va remettre de la matière visqueuse. Ah, volonté. Donc alors on était où là? Non, celui-là. Celui-là j'ai le verre et le tas, ok. Donc ici c'est du cuivre. Il va me falloir du cuivre par contre. Non, ça. Il va me falloir, ça va être du cuivre qu'il va falloir que je replonge. La matière visqueuse. On en commence à en avoir un petit stock. Ah, pardon, excusez-moi. Toi, t'as pas compris ton corps, hein. C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Je vais t'afficher encore ici, toi, ça, tu vas voir. Ça va te faire tout drôle. Donc là, voilà, sur ça on est bien. On va manger ce petit poulet. Encre et tout. Oui, je crois que j'ai débloqué l'encre aussi. Voilà. Donc trois lingots de métal, une charnière, de la corde des planches. On va pouvoir faire l'encre attachée. Plutôt sympathique aussi ça. Donc vous voyez, avec la forge en fait, on arrive à débloquer vraiment pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? C'était de ça. Donc pour l'instant le verre, j'en ai pas besoin. Je le prendrai plus tard. Pour l'instant ça va être du cuivre. Et cuivre et matière organique là. Enfin de la matière chelou là. Mais par contre, pour l'instant, ce qu'il va me falloir aussi, c'est du poisson pour faire des appâts pour, bah voilà, ce monsieur-là. Donc, bah voilà, les gars, bah écoutez, laissez des messages dans les commentaires si la vidéo, ça vous a plu. Et puis, bah, oh putain, sûr. Et puis, moi, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc, laissez des messages dans les commentaires si vous avez des petites astuces ou quoi. Et puis, bah, portez-vous bien, surtout. Et puis, bah, à bientôt. Allez, ciao, bye tout le monde. Nous, on va pêcher encore un petit peu, et puis, bah, on va voir ce que ça va donner. A plus, les gars. Putain, ma croix.